Juin 2006. Hans Clevers se souvient encore parfaitement de cette date. Depuis plus de 5 ans, ce généticien moléculaire néerlandais étudie l'étonnant pouvoir de régénération de l'intestin humain. L'intestin renouvelle sa surface complète tous les 2 à 4 jours. Aucun autre organe humain ne se régénère plus rapidement. Les chercheurs supposent depuis longtemps que des cellules spéciales, les cellules souches adultes, seraient responsables de ce constant renouveau. Heureusement, tous nos organes abritent des cellules souches, qui se divisent et peuvent remplacer des cellules perdues. Normalement, les cellules souches sont très actives. Dès que des dommages surviennent sur un organe, elles se mettent au travail et remplacent les cellules perdues. Mais personne ne sait exactement où ces cellules spéciales se situent dans l'intestin. On pense qu'elles sont petites et rares, et donc difficiles à trouver. Mais Clevers et son équipe ont une idée. La surface de l'intestin grêle se compose d'innombrables villosités qui permettent à l'organisme d'absorber les nutriments. De petites callosités, les replis, se situent entre les villosités. Les chercheurs pensent que ces replis abritent les cellules souches adultes. Pour les trouver, il faut disposer d'outils spéciaux. Nous avons trouvé une molécule nommée LGR5. Et nous avons pensé que cette molécule se situe sur une cellule qui est un candidat prometteur. Les chercheurs pensent que les cellules souches recherchées se distinguent des cellules normales de l'intestin par une molécule nommée LGR5. Une technique complexe leur a permis de teindre en vert toutes les cellules de l'intestin grêle qui contiennent cette protéine. Ce procédé fonctionne sur les êtres vivants et ils ont pu observer comment les cellules se comportent. Le résultat n'a pas fini d'enthousiasmer Clevers. Nick Barker et moi-même avons regardé dans le microscope en même temps. Nous avons vu à quel point ces cellules sont lumineuses. Il nous a fallu 5 ans pour les trouver. Nous avons su immédiatement qu'il s'agissait de cellules souches. Au fond des replis, les chercheurs peuvent voir comment les cellules souches se divisent et grimpent le long des villosités. Cette découverte a fait grand bruit dans le monde scientifique, mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Nous avons vu que les cellules souches dans l'intestin ne se comportent pas comme on s'y attendait. Les cellules souches se divisent tous les jours. Nous pensions que si elles le font dans un organisme, dans des tissus, elles peuvent également le faire en laboratoire. Les cellules ont effectivement commencé à pousser en laboratoire. Des amas de cellules de quelques millimètres se forment. Les chercheurs se servent de la molécule RGR5 pour isoler les cellules souches du foie et des autres organes. On parvient à créer des mini-organes artificiels, appelés organoïdes. Maintenant, nous pouvons prélever une petite quantité de tissu sur tous les organes et individus pour la faire pousser en laboratoire. Les patients pourront bientôt profiter de cette découverte. Par exemple, Duncha, âgé de 15 ans, atteinte d'une maladie héréditaire, la mucoviscidose. La production de sécrétions dans les poumons et autres organes est perturbée et la maladie souffre de problèmes digestifs et de difficultés respiratoires. Sans thérapie, la maladie est mortelle. Ici, dans le vert, on voit ce qui est normal. Là, c'est ce que Dunja a expiré. Normalement, à cet âge, la capacité pulmonaire est d'environ 4 litres. Chez Dunja, ce n'est que 2,5. Les antibiotiques et de nombreux autres médicaments ne peuvent que soulager les symptômes. De nouveaux médicaments prennent la maladie à la source. Il existe de nombreuses variantes de la maladie et aussi différents types de médicaments. Le problème. Ce sont des médicaments assez chers, qui coûtent un demi-million par an. Notre test rapide et avantageux permet de mesurer si le médicament agit vraiment. Si notre test est positif, le patient réagit. S'il est négatif, nous n'administrons pas le médicament. Nous testons le type de médicament qui agit sur les organoïdes obtenus à partir des tissus du patient. Car chaque patient réagit différemment. Plus besoin de faire de tests sur les patients malades.
Une étape importante vers une médecine personnalisée. Les organoïdes jouent également un rôle croissant pour le développement de nouveaux médicaments. Clevers collecte les échantillons de tissus dans une biobanque. Les chercheurs testent les nouveaux médicaments sur les organoïdes ainsi obtenus, ce qui permet de renoncer de plus en plus souvent aux essais sur des animaux. Et Clevers va encore plus loin. Je rêve de disposer d'une banque d'organoïdes, un peu comme une banque de sang. Si quelqu'un a besoin d'un nouveau foie, nous pourrions consulter la banque d'organoïdes pour dire « Bon, cette éprouvette est parfaite pour votre foie ». Nous décongelons son contenu et l'administrons au patient, qui rentre chez lui. Les cellules souches commencent à renouveler son foie, car c'est ce que les cellules souches savent faire. Le donneur est assis à table et lit tranquillement son journal. Clevers espère que la transplantation d'organoïdes fera partie du quotidien clinique d'ici 5 ans. Ce sera un jalon supplémentaire dans une vie de chercheur riche en découvertes.